belle semaine de philo. Ce qui est intéressant dans un ouvrage comme ça, du point de vue de la géologie, ça veut dire qu'ils ont des documents anciens sur les glaciers, sur les mouvements, les tremblements de terre et tout ça. Par rapport aux dangers qu'on a, dangers naturels qu'on a en Valais, ça c'est vraiment un danger très faible, quoi, parce que c'est calculé, c'est contrôlé. Je ne sais pas les chiffres exacts, mais ici, quand il est plein, le sommet il bouge de je crois, de plus de 10 cm comme ça vers l'extérieur. Ça paraît incroyable que ça peut bouger de 10 cm, mais c'est parfaitement sécure, sous contrôle. Et les gens qui connaissent le béton, ils trouvent ça tout à fait normal. Et c'est une science assez fascinante, quoi. Je connais clairement pas le béton. Ben non, mais il bouge, c'est clair. Je viens d'une famille où il y avait du côté de ma mère, il y avait des guides. Tout petit, on a toujours été en cabane, on a fait quelques montagnes et tout ça. Après, j'étais dans un groupe du collège qui avait en tête d'aller au Groenland à la fin du collège. Donc, c'était pas la petite expé, on est allé loin dans le nord, on a ouvert des voies. Donc ça, c'était vraiment un gros challenge. Puis il y a toute cette ambiance de polaire que depuis, ça a vraiment été ce que j'aime le mieux. Je ne suis pas allé dans l'Himalaya, mais la haute altitude, ça m'attire moins que... Ou bien peut-être je n'ai pas le courage, je ne sais pas. Mais ça m'attire moins que les pôles. Ce qui est polaire, vraiment, ça m'attire. Et puis, voilà, en rentrant, je me suis dit, ouais, il faut que je trouve un truc sympa, qu'il y ait de la science derrière, mais qu'il soit aussi dehors. Et puis, voilà, je suis un peu tombé par défaut sur la géologie. Magnifique. Wow. Génial. Gilles, son créneau, c'est le ski, c'est une sensation sur la neige et tout ça qui est très très forte. Et je suis toujours étonné quand il me propose de venir avec lui parce que je pense qu'il va s'emmerder. Puis en fait, non, apparemment pas. Alors on continue. Je pense que Raphaël, il aime bien partager. Et puis je pense qu'il nous a amené ici, c'est parce que moins il y a de distractions, moins il y a de troubles extérieurs. Plus le partage est facile. Et puis Raphaël, il aime bien partager. Il y a des endroits comme ça où quand on arrive presque à enlever le sifflement qu'on entend dans les oreilles, et il y a juste le vent. Comme juste maintenant, par exemple. Alors ça, en quelques minutes, ça fait un immense bien, quoi. Mais oui, il commence à faire caillette, là. Tu voudrais quand même, mi-octobre. Moi, je pense finalement, je suis plus un scientifique qu'un meneur de clients au sommet des montagnes. Puis d'un autre côté, je me suis toujours dit, mais merde, j'ai pas fait une grande carrière de guide. Mais bon, peut-être dans une prochaine vie, on verra, quoi. C'est pas tant facile ici à faire le feu d'habitude. Je pense qu'on est souci de tirage. Bon. C'est bien ouvert. Oh, ce bruit, magnifique. Tout ce qu'il faut. Au début, je me suis dit, mais waouh, il faut s'occuper de tout ce territoire. Quoi. Je me suis dit, mais pourquoi je ne suis pas géologue cantonal de Zoug, quoi. Ce serait un peu plus sympa. Quoi. Tu vois? Non, mais franchement, moi, je trouve qu'on devrait avoir une rotation des géologues cantonaux, quoi. Puis quelques années de repos, tu fais Zoug, Schwyz et Appenzell, quoi. Mais non. Alors bon,
Après, il faut y aller. À un moment donné, il ne faut pas se dire tout le temps « Ah, mais j'ose pas faire ça, mais j'ose pas faire ceci. » Non, il faut aller de l'avant. Et ça, là, c'est assez proche du métier de guide, à mon avis, parce que une course toute simple, si tu penses à tous les risques qu'il y a, à toutes les choses qui peuvent mal se passer, si tu es obnubilé par ce problème-là, tu fais plus le job, quoi. Donc, c'est assez relatif, cette notion de responsabilité. Oh putain, oh putain. Quand ça commence à bouger, en principe, ça ne va pas tomber dans les minutes qui suivent. Donc on a le temps de réagir. En l'occurrence ici, ça a commencé à bouger 10 jours avant que ça tombe. 4 jours après, on a évacué Arbey. 9 jours après, on a vraiment fermé la route définitivement. Après, puis 10 jours après, c'est tombé. Ici, on est au Mel de la Niva, au-dessus des Volaines. C'est un des sites qu'on surveille assez attentivement. Il y a des constructions en dessous, des gens qui habitent, des routes. Alors, on surveille, si on veut, les mouvements de ces pans rocheux qui peuvent se détacher. Alors, le dernier, voilà, il est parti. Puis derrière, il y a d'autres fissures qui sont prêtes pour le prochain événement qui arrivera dans 2 ans, dans 20 ans, dans 80 ans. C'est très difficile de savoir. Voilà. On y va? Pour les responsabilités, ça fait presque drôle d'entendre dire « tu as le sens profond des responsabilités ». Je ne me suis jamais mis devant un miroir en disant « Waouh, t'es responsable !» Puis d'imaginer des épaules très larges qui s'élargissent, qui s'élargissent, qui s'élargissent. Je pense qu'à la fin, on a le nez qui s'allonge et qui s'allonge, hein, si on rentre dans ce jeu-là. Donc, je pense que c'est un petit peu inné, effectivement. On entre là-dedans et puis on n'a pas peur. On essaie d'y aller, de faire au mieux. Il y a une sacrée fissure, là, hein. Nous, si on nous payait, et ça je le dis aussi à mes collègues, si vous voulez être payé pour la responsabilité, vous demandez au minimum 1 million par mois. Comme ça, on bosse quelques années, puis c'est réglé. Ça n'a pas de valeur, la responsabilité. Il n'y a pas de largeur dans les épaules. Il faut faire le travail le plus auprès de sa conscience. Il faut aimer ce boulot. Et puis on y va comme ça. Mais ça ne se quantifie pas, la responsabilité. Peut-être devant le juge, mais autrement pas. Je m'appelle Hilaire Dumoulin. J'ai fait de la montagne dans mon jeune âge. J'en fais encore un petit peu maintenant. Et les glaciers m'ont toujours passionné. Ça a toujours été, j'ai toujours été intéressé par ce mouvement perpétuel des glaciers. J'ai des photos du 19e siècle. Et avec ces photos, j'ai pu
parcourir le Valais, les Alpes bernoises et tout ça, pour refaire ces photos en comparaison avec les anciennes. On voit très bien ici, dans ce paysage, ce qui s'est passé durant ces 150 ans. Et on voit justement ces marques de moraines qui sont encore très visibles dans le terrain. Ces glaciers sublimes, si on les a plus, il n'y a plus que de la roche. Bon, il y aura de la verdure, bien sûr, de la verdure et de la roche, mais c'est clair que ce sera différent. Mais enfin, l'être humain s'est toujours adapté, je pense qu'il va quand même s'adapter à ce phénomène. Donc ça, c'est celle que j'ai fait en 2007. Hein. Ouais. Et bah, nettement la différence. Hein. Ouais. Si on prend la largeur ici, puis ce qui reste ici, mais c'est incroyable. Ça, c'est rien qu'en 10 ans. Oui, hein. Ouais. En 10 ans. Ouais. 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 On voit bien la diminution d'épaisseur sur le sérac. Partout, tout ce qui est... Tous les couronnements sur les montagnes, les couronnements, les couronnes de glace. Quand on parle d'accélération, ouais. 1907... Ouais, ouais. Ouais, c'est bien parti. Puis là, en 10 ans, c'est extrêmement rapide. Ouais. Et puis là, ce rocher, enfin ici, il est vraiment apparent par rapport à là où il commence à sortir. C'est 10-15 mètres plus bas. C'est tout, oui. C'est vrai, on avait l'impression que c'était éternel, quoi. Et puis surtout qu'on parlait des neiges éternelles encore. C'est vrai, il y a ça aussi. Ouais. Mais c'est vrai qu'en tant qu'enfant, et même plus tard, même à 20 ans, on avait de la peine à imaginer que ça puisse fondre aussi rapidement que ça. Nous, les géologues, on n'a pas trop de soucis pour l'éternité, parce que dessous, on a des roches qui ont plusieurs dizaines de millions d'années, donc on est tranquille. Et puis, sur le long terme, on sait qu'il y a eu des périodes bien plus chaudes que ça, où il y avait très, très peu de glaciers dans les Alpes. C'est un petit peu nous, les humains, là-dedans. Qu'est-ce qu'on fout? Combien on contribue à cette affaire? Comment on va vivre avec? Par exemple, pour notre canton, le recul des glaciers, ce n'est pas un problème de danger naturel, c'est un problème beaucoup plus touristique, ou peut-être de ressources en eau. Maintenant... Je crois que c'est à l'échelle de la planète que c'est un peu plus préoccupant. Est-ce qu'il faut vraiment devoir montrer des photos aussi évidentes comme ça à tous les gens pour leur faire comprendre que c'est aussi l'air qu'on respire dans les villes, partout dans le monde, et puis qu'il faut peut-être quand même commencer à y songer. Et quand je pense qu'il y a des gens qui sont des leaders de la planète et qui ne croient pas à ça, c'est à se taper la tête contre les murs quoi, pour finir. Very beautiful. C'est magnifique, hein. Ah, tu vois les couleurs, hein, l'automne. C'est juste génial avec cette lampe de glacier. Ouais. Et tellement contrastant d'avoir tout ça et puis d'entrer dans une zone complètement chaotique. Et si tu regardes ici, tu as l'impression que c'est tout en ordre, hein. Ouais. Et tout d'un coup, ça change. Et puis c'est tout en désordre là-bas. Ouais. Là-bas, c'est la catastrophe. Ouais. Vraiment,
La montagne qui se casse la figure, et tous les arbres, regarde comme c'est penché. Ouais, c'est vraiment incroyable. Et là, on voit très bien comment ça se déchire. Hein. Et le basculement des paquets, ouais, c'est complètement fou. Et si c'est côté haut, ça... Là, il y a des gros blocs, hein, tu as vu. Ouais. Là, en dessous de moi, immense bloc qui tombe. Ouais, ouais. On se trouve à proximité immédiate du glissement d'Aletsch, d'Aletsch Mosflu, un glissement très particulier, de très grande ampleur, qui a une accélération majeure l'année dernière. Et cette accélération, elle fait qu'il y a des fissures qui se sont faites dans le sol. Et puis ici, dans le réseau des sentiers pédestres, il y a des endroits où, pour des raisons de sécurité, c'est mieux que les gens n'aillent pas. Parce que ces crevasses, elles peuvent être cachées sous de l'herbe, sous de la terre, etc. Est-ce qu'on peut écarter que le pan entier du versant tombe d'un seul coup? Alors, on ne peut jamais totalement l'écarter. J'ai tendance à dire que c'est comme d'aller trois fois à Zurich en voiture et d'avoir trois fois un accident mortel. Ça veut dire qu'il faudrait un enchaînement d'événements très, très peu probables pour que ça arrive. Le plus grand danger pour les gens qui viennent ici, c'est de descendre dans la pente, de se retrouver dans une zone très instable où il y a des blocs qui peuvent leur tomber dessus ou des arbres ou autre. Concernant les failles, parce qu'il y a quand même eu cet accident. L'information est très, très, très difficile à faire passer. Et puis aussi, si on fait trop d'informations, c'est toujours en train de dire qu'il y a du danger, il y a le problème de l'effet du loup. Quoi. On annonce toujours le loup il vient pas, puis on dit « ouais, bon, ben, tu m'as bien eu, je passe quand même la barrière ». On avait une petite fille qui était en train de promener sur les chemins. Ils ont un peu la famille a quitté un peu le chemin. Ils ont un peu fait du pique-nique et après, les enfants, ils ont trouvé un petit trou et ils ont trouvé assez intéressant. Ils ont commencé à jouer autour du trou et ils ont fait des photos et tout en coup, la petite fille à 2 ans, elle est disparue dans le trou. Elle est glissée dans le trou. Et pour finir, elle est glissée à environ 6 mètres de profondeur dans le trou. Elle était coincée à 2 côtés. Les épaules étaient coincées. C'était impossible de la sauver à une manière simple. C'était profond et on ne voyait pas l'enfant. Ça, c'est aussi quelque chose d'important. On n'avait pas la vue, le contact en vue. Je savais tout de suite que ça va donner une intervention très compliquée. Et on a laissé venir toutes les machines possibles, des grandes machines, des compresseurs, des packers et tout ça. On a environ 100 de personnes qui sont venues sur la place. Et après, on a environ 12 heures on avait pour venir à la profondeur et avec un tunnel depuis la côté, on a pu sauver la petite à 2 heures le matin. Il y a toute la difficulté technique, hein, et même géologique, des failles et tout ça. Donc il faut avoir un bon feeling, une bonne compréhension de la structure de la roche pour se dire on peut accéder par là. Mais après, de se dire qu'on a trouvé 100 personnes pour venir aider, c'est assez génial. Hein. On dit qu'on est dans des peuples de plus en plus égoïstes, mais ce n'est pas tout vrai. Quoi. Il y a beaucoup de gens qui sont prêts à venir donner un coup de main. C'est cool. Thank you.
Le métier de géologue, comme beaucoup de ces métiers d'ingénieur, en fait, on est dehors peut-être 20% du temps, c'est déjà beaucoup. On est nature de nature, donc c'est clair qu'on aimerait sortir plus. Mais moi, je trouve mon compte quand vraiment on traite de vrais sujets, sur des... Ça ne me gêne pas de travailler à l'ordinateur quand on résout des vrais problèmes de géologie ou de danger naturel. Donc c'est vraiment génial de pouvoir comparer. On voit tout de suite s'il y a une anomalie, s'il y a un comportement particulier sur ces courbes. Le danger sismique, c'est le plus important pour les dangers naturels. Il y a des calculs qui se font en termes de temps de retour, donc probabilité d'occurrence de l'événement, et puis les dommages que ça peut causer. Et puis là, on est bien plus loin que tous les autres dangers naturels. C'est la grande difficulté, c'est la prédiction. Et on a une prédiction qui est basée sur ce qu'on a observé les derniers siècles. On a une périodicité qui est autour des 100 ans, entre 90 et 100 ans. Si on fait le calcul, eh bien, dans les 20-30 ans, on devrait en avoir un assez fort. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne peut pas arriver demain ou peut-être dans 50 ans. C'est vraiment difficile à dire. Notre job, c'est de savoir ce qui va se passer dans les jours, les semaines, les mois. Et puis ça, on espère pouvoir le faire. Il y a une peur que j'ai et qui est absolument, actuellement, pas maîtrisable. C'est le bus postal qui se fait faucher par un bloc de 20 mètres cubes avec 40 enfants dedans. Ça, c'est peut-être... ce serait vraiment, vraiment un échec, quoi. Ou alors un méga éboulement qui descend sur un village. Ça, je pense qu'actuellement, on ne va pas le louper, quoi. Mais le bloc isolé, tordu, ça, c'est un truc de vache, quoi. On est fou de ce qu'on fait, mais je ne pense pas qu'on est fou dans ce qu'on fait. Je pense qu'on est vraiment... On est passionné dans ce sens-là, on est fou. Mais sinon, je pense qu'on est très, très terre-à-terre dans notre métier, soit lui, soit moi. On essaye de limiter au maximum... la prise de risque, pour nous, pour nos clients, pour notre entourage. Pour moi, je ne me dis pas « Ah, aujourd'hui, je vais en montagne, ça va être extrême, je vais avoir des monstres, des charges d'adrénaline, je vais prendre plein de risques. » C'est super. Au contraire, c'est plutôt... je trouve qu'on a des approches plutôt réfléchies, analytiques, limite. C'est un mélange de crainte et de passion, je pense qu'on a... Moi, j'ai une vraie passion de prendre ces décisions. Ça paraît un peu maso, quoi. Mais j'aime ça, quoi, en fait. J'aime trouver un équilibre entre mon feeling et des éléments objectifs. Et la grande crainte, c'est de ne pas avoir considéré tous les éléments objectifs correctement. Des fois, tu es un peu dans le doute, mais tu y vas quand même parce que tu as le feeling, ou tu y vas pas. Même que des fois, les éléments objectifs sont assez positifs. Tu dis, ah non, je la sens pas, je vais pas. Donc là, il y a un rapprochement assez étroit entre les deux métiers. Le fait d'être tout le temps dans la montagne, on voit plus toute l'évolution, on accepte beaucoup plus tous ces changements qu'il y a. C'est certainement une résilience qu'on a par rapport à ce qui se passe en montagne. Alors, s'il y a, ma foi, des accidents, ben, c'est la gravité qui tire en bas un caillou ou une avalanche, mais la montagne, elle tue personne. C'est plus ou moins statique. Ça reste un tas de cailloux.